Dieu, viens à mon aide.
je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison de Jérusalem, au milieu de Jérusalem. Son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Avec moi, vous avez tenu dans l'épreuve. Alléluia. Les apôtres, Seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui. Alléluia. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Rendons grâce au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tes apôtres, Seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui. Alléluia.
Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets. Sois béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis, comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et sans péché devant sa face grâce à son amour. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Je vous appelle son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié mes secrets. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Tiré de l'Épître aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu,
à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et portiez un fruit qui demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et portiez un fruit qui demeure. Alléluia. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Tu as voulu que ton Fils, ressuscité, se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile.
Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta Ensemble, prions. Dieu qui a choisi saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.